Le cinéma est à la fête, à nouveau, du côté de l'Italie. Alors que le Festival du film de Venise, la fameuse Mostra, s'est clôturé en septembre dernier, si esti autour de la capitale, Rome, d'accueillir comédiennes et comédiens, réalisatrices et réalisateurs. Du jeudi 14 au dimanche 24 octobre 2021, la botte se recouvre d'un joli tapis rouge et organise projections, expositions, installations et débats. Le mardi 19, si esti Quentin Tarantino qui était mis à l'honneur lors d'une soirée organisée rien que pour lui. Pour sa 16e édition, le Festival du film de Rome a sélectionné le réalisateur prodige comme tête d'affiche. Le sanglant cinéaste a donc reçu un trophée pour l'ensemble de sa carrière. Des mains du maître de l'horreur himself, Dario Argento, Suspiria, Inferno, L'oiseau au plumage de cristal. S'il vous plaît. Denny Menedez, Barbara Clara Pereira, Francesca Loschiavo, Dante Ferretti, l'écrivain Antonio Monda était présent pour applaudir Quentin Tarantino, qui a également bénéficié du soutien inconditionnel de son épouse, la divine chanteuse d'origine israélienne Daniela Pic. Si son homme était la star de la soirée, la belle mélomane a également fait crépiter les flashs. Grâce à sa longue robe fendue gris Felipe Tragrebeno, premièrement, mais aussi parce qu'elle n'était que tendresse à l'encontre de son époux, qu'elle enlaçait et embrassait inlassablement. Quentin Tarantino et Daniela Pic vivent une jolie histoire d'amour, que leurs 20 ans d'écart ne gâchent en rien, et que l'ensemble de leurs proches valide. Il y a de la joie dans notre famille, précisait le père de Madame Ainetonou. Comme. Ils se sont fiancés hier. Nous leur disons Mazel Tov. Quentin Tarantino et Daniela Pic ont officialisé leur relation au Festival Lumière durant l'année 2016. Ils se sont mariés l'année suivante et ont accueilli un petit garçon, baptisé Léo, en février 2020. Le temps passe mais la passion, elle, n'a pas l'air de vouloir leur filer entre les doigts.